Salutations à toutes et à tous, c'est Mister Zombie, je suis en compagnie de Blackjack et Charline et on va jouer à Similo Myth. Donc il a été décidé que Charline serait la narratrice, c'est-à-dire qu'elle va prendre connaissance d'une carte, par exemple ici Echidna. Elle va en rajouter 11 autres, les mélanger, ça fait qu'il y aura 12 personnages de leur mythologie au milieu de la table. Elle va nous donner des indices pour que Blackjack et moi, on parvienne à éliminer tous les personnages, sauf celui qu'il fallait trouver. Donc pour ça, elle aura deux possibilités. Mettre un indice en position verticale, donc une autre carte, ce qui voudra dire que cette carte a un point commun avec le personnage à trouver, ou en position horizontale, ce qui voudra dire qu'en fait, il y a un truc qui les oppose. Par exemple, si on cherche un personnage féminin et qu'elle met un personnage masculin ou des choses comme ça, ça peut être sur les couleurs de la carte, leur position, etc. Donc il y a plein de possibilités différentes. Et donc si on est bon, on aura réussi à éliminer les 11 et on gagnera tous. Et si jamais on élimine le personnage qu'il fallait trouver avant les 11, bah, on aura perdu. Comme des cacas. Mais ce sera la faute à Charline. Donc en sachant qu'il y a deux autres boîtes, donc le Similo Histoire et le Similo Conte, donc Histoire avec des personnages historiques et Conte avec des personnages de contes de fées. Donc là, on a opté pour la mythologie. Et il est possible de mixer deux boîtes ensemble. Le principe, c'est que les 12 personnages à trouver proviennent d'une boîte et les cartes indices d'une autre. Donc ça demande un peu plus de réflexion. Je les découvre, hein. Oui, donc normalement, dedans, il doit y avoir la bonne, si tu t'es pas trompé. Peut-être, on ne sait pas. Donc, nous avons Jason, héros et chef des Argonautes, célèbre pour la quête de la Toison d'Or. Il y a un petit texte à chaque fois pour replacer les personnages. On a Pandore, oh non, la première humaine. Première femme humaine, œuvre d'Héphaïstos. Elle ouvrit la jarre qui contenait tous les maux de l'humanité. Un petit peu poussé par Héra. Héros, dieu de l'amour, fils d'Aphrodite et d'Arès. Ses symboles sont l'arc et les flèches. Il y a sa mère là. Ah oui, c'est pas faux. Donc Aphrodite, sa mère, déesse de l'amour, de la beauté et de la passion, née des flots de l'amour. C'est bien précisé que c'est sa mère. Polyphème, un des cyclopes géants à l'œil unique, fils de Poséidon, vaincu par Ulysse. Arachné, tisseuse, talentueuse mais arrogante, qui fut transformée en araignée pour avoir provoqué Athéna. Ah ouais, quand tu fais chier Athéna, tu l'as dans les courants. Le plus sage et le plus juste des centaures, précepteur de nombreux héros. Je le lis à la française. Dionysos, le dieu de la vigne, du vin, de la démesure et du théâtre. Ses symboles sont le tyrse et le raisin. Ouais. Hadès, dieu des morts et maître des enfers, époux de Perséphone. Ah, est-ce qu'on aura sa femme? Les moires, incarnation du destin, elles tissent le fil de l'existence des mortels. Tic-tac. Tiché. Déesse de la fortune, du destin, de la prospérité, son symbole est la couronne murale. Oui, je dirais tous les siècles. Poséidon. Dieu de la mer, des tempêtes, des séismes et des chevaux armés de son fidèle trident. Est-ce que parmi ces 12 personnages, il y a bien le tien à trouver? Ok, c'est bon. Donc là, elle a 5 cartes en main, c'est celles qui vont lui servir à nous donner des indices. Elle en choisir une. Et donc, c'est un peu comme les jeux de type Mysterium ou autre, pour le narrateur, le fantôme, etc. En fonction de la main qu'on a, ben, ça peut être plus ou moins compliqué de trouver. Donc là, pendant cette première manche, elle nous met un indice, il faudra qu'on enlève une carte. Ensuite, elle mettra un nouvel indice, il faudra qu'on enlève 2 cartes. Encore un nouvel indice, 3 cartes. Encore un nouvel indice, 4 cartes. Et à la fin, il ne restera plus que 2 et il faudra qu'on élimine la bonne. Si on va jusque-là, parce que c'est tout à fait possible que là, d'entrée de jeu, on enlève la bonne. Donc là, on doit en enlever une. Et donc, il y a un point commun avec Pan, qui est le dieu de la nature et des troupeaux, compagnon des nymphes, célèbre pour sa flûte éponyme. Il y a un point commun. Est-ce qu'il est célèbre pour sa flûte, quoi. C'est rien qui te fait. Alors, en point commun, ça peut être, par exemple, le fait que il y a des cornes, tout ça. Là, on voit, en chanson, il y a des cornes. Ça peut être la couleur. On est sur du un peu vert-bleu, donc tout ce qui n'est pas... Mais bon, comme les trois quarts des cartes sont dans les verts-bleus, ça n'est pas forcément et beaucoup. Dans le cœur. Là, on doit en éliminer qu'une. Après, ça peut aussi être le fait qu'il a l'air plus ou moins quand même masculin. On peut enlever les persos féminins. Après, au niveau de l'orientation, il regarde sur la gauche comme tous les persos, donc déjà, ce ne sera pas ça qui va pouvoir nous aider. Les trois quarts des personnages sont orientés de ce côté-là. Déjà, c'est pas ça. Bon, alors après, est-ce qu'on parle plus sur éventuellement le sexe, éventuellement la couleur? Parce qu'après, ça peut être aussi un... Ça peut être, de toute façon, comme elle s'y... Oui, voilà. Après, auquel cas, ça laisse de là. Moi, je dirais sur le côté pas complètement humain. Je dirais Aphrodite, c'est pas... Aphrodite, on l'enlève parce qu'à la fois fille, à la fois pas dans la bonne couleur. Ouais.
Ça me semble possible. Avons-nous perdu parce que c'était Aphrodite qui fallait trouver? Non, donc on passe en manche 2. Il faut que je repioche une, c'est ça? Pour en avoir 5 en main, et là elle va nous donner du coup un deuxième indice, sauf que cette fois-ci on devra retirer deux cartes. Et donc on pourra très bien perdre. Si parmi les deux, il y a celle qu'il ne faut pas éliminer. L'indice précédent, donc avec Pan, est toujours d'actualité, donc le fait qu'on cherche peut-être une créature... Ah non, un joker. Non, il n'y a pas de petit corbeau pour refaire sa main comme un mystérieux. Ah, Echidna, donc il y a un lien, ça peut être violet, ça peut être... Ah, auquel cas, si on part sur un truc un peu animal et tout, ça pourrait être arachné. Un peu violette. C'est quoi, c'est... Echidna, c'est la mère de terriblement comme Cerbère ou l'hydre de Lerne. D'accord. Je pense que c'est elle qu'il faut qu'on trouve. Bon. Fait quoi, on vire Eros. Eros. Ouais. Et qui d'autre? On a deux enlevés. Ouais, c'est vrai qu'on a deux enlevés. Qu'on était parti tout à l'heure sur une fille, mais là-bas c'est aussi une femme. C'est un monstre. Alors monstre. Après, ça. Monstre avec des boobs. Un monstre avec des boobs. Ça peut être. Voilà, ça c'était peut-être plus pour la couleur, ça c'était peut-être plus pour le côté c'est une fille, on sait pas en fait, qui peut être bon ou pas. Après, on peut peut-être continuer sur Pavel. Peut-être Hadès, parce que lui il est rouge, il n'y a pas de violet, il n'y a pas de bleu. C'est pas un monstre de base, pas d'humain. Ouais, Eros Hadès. Ouais, c'est bien ça. Ok, c'est bon. On a chaud, Mich. Ah, mais c'est pas mal. Attends, ça peut être aussi un truc qui n'a rien à voir. Là, ça n'a rien à voir par rapport avec un monstre. Ça a rien à voir avec Argos, en tout cas. Argos qui est un géant au centieu, gardien de la nymphe. Yo ou yo? Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Alors, attends, il y a deux possibilités. Soit, en gros, comme il a 15 000 yeux et qu'il faut trouver Polyphème qu'on a qu'un seul, toi, opposé au niveau du nombre des yeux. Ou alors, après, les cyclopes, ils ont quand même une taille plutôt une bonne taille, tu vois, comme un géant. Auquel cas, on pourrait virer Polyphème. Si c'est le côté, on cherche pas un gros mec, tu vois. Ouais, mais là, il faut en virer 3. Oui, il faut en virer 3, mais donc... Ou bien comment je pas quelque part. J'ai des yeux, si vous là. Et moi? Ouais, parce que... C'est pas des monstres. Je pense que c'est un monstre qu'on va chercher. Ils sont 3, est-ce que c'est 3? Ah, tu veux dire qu'il n'y a pas forcément 3, une forme complètement humaine. Ouais. Parce que du coup, lui, bon, il a les yeux un peu au large, un poil monstrueux. Mais... Oui, il est plus en forme humaine. Ok. Ouais, ça peut, les moins. Ah, on vire Dionysos. Oui. Est-ce qu'il a une barbe et... Barbe. On vire les barbus. Quelqu'un parle du chien. Barbu. Chiron possible. Ouais, Chiron aussi. Allez, on en a ces trois là. On s'est trompé. Ah, c'est bon. Non, ça passe. Putain, il y a peut-être un lien avec la barre. Là, ce coup-là, faudra qu'on en vire 4 pour laisser place au duel final. Ah, là, ça va être. Ça devient. Oh, là, il y a des chances de se louper, ouais. Ouais. Il va falloir bien. Leur cogiter. Amazon. Ah, il y a un lien avec Amazon, donc on peut être quand même un peu sur une guerrière tribale, fille d'Arès, leur reine la plus célèbre est Panthésité. Peut-être, c'est peut-être une nana quand même. Une nana monstrueuse, on en revient à la bonne vieille Arachnée. Auquel cas, si on n'est pas trop sur les... On peut déjà virer ces trois-là. Si le côté... Côté beubard. C'est bien une nana qu'il faut chercher, côté beubard, géant, tout ça. Beubard géant, ça fait ça, là. Ces trois-là. Lui, c'est quoi? Ah, lui, c'est un mec, et donc si on cherche un monstre, forcément, il faut virer les mecs, et à un moment, il faut être dans la logique. Ok. Et ensuite, je dirais celle-là. C'est quoi? C'est la déesse de la fortune, du destin, de la prospérité. Son symbole est la. Oh, attends. Son symbole est la couronne murale. Derrière là, les petits ronds, peut-être. Il y a un lien avec ça. Bon. Moi, je dirais plutôt celle-ci. Celle-là que t'enlèves? Parce que là, après, c'est la première vert violet avec. Ouais, première femme humaine. Première femme humaine. Ça, c'est un monstre. Celle-là, c'est une déesse. Ah ouais, elle est plus normale, tu veux dire? Ouais, je dirais elle est plus normale. Ok. Ceci est la carte à faire découvrir. On la voit bien? On la voit bien. Elle est belle, hein? Est-ce qu'on arrivera à la trouver? On vient de tuer la bonne. Ouais. C'est la seule qui était rousse. Oui. La première carte que j'ai mise, c'est ça. Ah ouais, c'est la seule qui avait un objet et qui était rousse. La seule! En plus, il y avait du bleu-vert. Là, il y avait du violet. Mais moi, c'est c'était pas un monstre et c'était une femme. Mais dans tous les cas, je serais parti sur Arachné à la fin. Oh, mais j'avais que ça. En fait, sur un mot de carte, franchement. Oui, non, mais je sais que c'est mieux, hein. Il n'y a pas de soucis. Vas-y, voilà. Je t'en prie. Ouais. On n'était pas loin. On n'était pas loin. Pas loin. Pandore, c'était Pandore qu'il fallait trouver. Bon, du coup, ouais, vous arrêtez pas de partir sur les monstres, c'est genre, mais ouais, mais en fait, j'avais pas d'humain au tout début. Ça va, tu t'amuses. Merde.
Ok. T'en prends 11 que tu mélanges avec. Mais enfin, on maltraite pas les cartes comme ça. Mais je parie, c'est pas grave. Puis après, t'en flocher 5 de points. Nous avons Circé. Hadès encore. La sorcière renommée qui avait transformé les hommes d'Ulysse en pourceaux. Aphrodite, on l'a déjà eu. Hadès, on l'a déjà eu. Équidna, on l'a déjà eu. Tichy, on l'a déjà eu. Harpies, vicieuses, cruelles et violentes, elles enlevaient et torturaient les malheureux mortels. Toujours sympa. Ah, Athéna, oui. Déesse de la sagesse, de l'artisanat et de la stratégie, ses symboles sont la chouette et l'olivier. Héra, déesse des femmes, du mariage, de la famille et de la naissance, épouse de Zeus. Connasse, ouais, comme les trois quarts. Bah, la vraie, en fait, oui, qui a mal vécu toutes les autres. Pan, on l'a déjà eu. Attends, avec tout un choc. Argos, on l'a déjà eu. Hermès, on l'a déjà eu aussi. Non, tu l'avais dans tes mains. J'avais dans mes mains. C'est le dieu du commerce, des voleurs, des voyageurs et des athlètes messagers des dieux. Et Apollon, dieu du soleil, des arts et des prophéties, ses symboles sont la lyre et la couronne de laurier. Oui, ton personnage à faire deviner se trouve bien parmi les 12? Oui. Ok, on a vu que c'était... Je l'ai mentalisé. Rien à voir avec un monstre avec un œil. On peut enlever Ramos? Ben, je pense. C'était lui en fait que je l'avais trouvé. Non, mais parce qu'en fait. Allez, on enlève Ramos. Je crois que c'est ça. C'était lui qui fallait trouver? Non. C'est bon, on continue? On continue! Ça aurait été marrant qu'on perde la première carte. Marrant, je sais pas, mais. Honteux. Innovant. Nous, on perd. Nous, quand on joue, on perd. On aime bien. C'est ça. Sur un coop, c'est toujours plus sympa. Rien à voir. Aucun lien avec le Minotaure qui est le fils de Pasiphae, mi-homme. Mi-taureau. Alors, il y a enfermé dans le labyrinthe. Lui, il a des cornes. Enfin, là, il y a des cornes. Ouais, donc son il corps. Il n'en faut pas. Là, ça peut être considéré comme une corne. Ou alors, ouais. Un monstre. Donc, quelqu'un, on enlève Echidna. Genre Echidna, ouais. Echidna fait plus monstre encore, je trouve. Ouais, enfin, Harpie, elle a quand même des ailes et des ah, elle est dégueulasse. Mais l'autre avec ses yeux. On vient de ces est-ce qu'on a perdu ou est-ce que c'est bon? C'est bon. C'est toujours bon. Qu'il y a rien qu'on fasse gaffe parce que là, les deux, c'est des mecs. Enfin, des... Ouais. Peut-être qu'il y a aucun lien. C'est pas des mecs. J'ai des gros monstres qui viennent par deux. De passin. Ils ont des berlingots. Si tu veux. Alors. Il y a un lien avec Eros Ramazzotti. Bah, c'est un dieu. C'est une déesse. C'est un dieu. C'est un dieu. En fait, c'en est tous. Elle, c'est pas une déesse. C'est pas une sorcière. L'harpie non plus. C'est pas non plus. Et c'est pas si, non plus. Si, c'est une déesse. C'est une déesse. Ah oui. Non mais par contre après il y a peut-être le côté love auquel cas Aphrodite tu vois Aphrodite in love ou alors c'est juste le côté c'est un mec faut pas virer les mecs bon en quel... dans tous les cas côté monstre et tout ça harpie tu genre ça c'est une certitude après il y a la couleur il y a du rose et du bleu moi je pense que dans tous les cas Aphrodite faut pas la virer maintenant s'il y a bien le côté rose Circé non plus Hadès alors il est pas rose Hadès Hadès c'est pas rose. Bleu. Et il est barbu. Il y a donc un qui est barbu. Il y a le taureau un peu de moustache. Lui, ouais, vite. Lui, si, il a une petite barbe de un jour ou deux. Et puis il a même encore deux, tu trois points. Tu dirais Hadès, du coup? Je pense Hadès. Et après Hermès est plutôt bleu. Apollon, il est quand même, tu vois, c'est un peu un BG. Donc le côté love et tout. Ouais. Ça marche peut-être. Donc en quel cas, et ça sera c'est... pas ça. En vrai, Hera, c'est une connasse. Mais après, c'est... C'est la déesse de la famille, et l'autre là-bas c'est le dieu de l'amour, alors du coup, l'amour va peut-être pas avec la guerre, tu me diras. Enfin, en tout cas, faudrait virer la stratégie. Allez, on fait ça. C'est que 3. Oui. C'est que 3. C'est bon, ça part. C'est bon. C'est bon. Les suspects se resserrent. Oula. Pas barbu. De vous qui vont. Auquel cas, il est vert, il y en a deux qui sont en pas de point commun avec les verts, auquel cas on peut peut-être virer les verts. Ce qui virerait... 3 déjà. C'est plus ou moins ces trois-là. Et on pourrait enlever aussi Hermès pour le côté. Ah, ok, il y a le bleu. Et ces mecs, tout. Il y a quand même beaucoup de mecs. C'est chiant qu'elle est rose. Ouais, mais là, il y a un mec à point commun. Alors, on ne sait pas si c'est la couleur, sa position ou quoi. Et là, il y a quand même du mec qui n'est pas point commun. Donc, on ne sait pas si c'est le côté mec, tu vois. C'est con, parce que si tu fallait virer les nanas, il y en avait pile 4. Ouais, mais. S'il est parti sur le côté lien avec l'amour, quelqu'un, on ne peut pas trop bien Aphrodite, quoi. Non. Mais du coup, pas Apollon. Ouais, que Rose, Circé. Apollon, il s'aime lui, mais. Et encore, on n'a pas eu Narcisse, on a de la chance. Ok.
Tu dirais Apollon, toi? Tu virerais Apollon? Je te dis, ça dépend. Moi, si c'est le côté, là, tu vois, le point commun qu'il n'y a pas, c'est genre le vert. Parce que c'est le côté, c'est pas un homme, et auquel cas, ce qu'il voulait nous dire avec celle-là, c'est que c'est Love, et auquel cas, c'est Aphrodite avant des skinheads. J'en aimerais bien sortir, moi. Ça peut, mais il y a le côté rose. Ah toi. Ouais, côté c'est ça ce qui m'embête dessus. Mais ça vaut aussi avec le côté bleu d'Hermès. En gros, là, de ce qu'on en dit, on enlèverait déjà ces trois-là. Ouais, ça, c'est à peu près plus ou moins acté. Il en faudra un quatrième là-dedans. Donc, pas de point commun avec ces trois-là. On a quand même deux qu'on lui met. Des têtes un peu d'animaux. Elle, à part le fait qu'elle a une espèce de loup derrière elle. Après, elle a transformé des hommes en cochons. Après, est-ce qu'il le sait? Je l'ai dit tout à l'heure, mais après, c'est qu'il a noté. Est-ce que t'as écouté? Un pourceau, c'est un petit porc. Mais dans quel cas, le cochon, ça va bien avec l'amour. Petit cochon. On enlève qui? Hermès? Je sais. Après, il a une espèce de couronne et Apollon aussi. Oula! Non, parce que moi, tout à l'heure, j'étais partie sur le fait que l'autre était roux, alors t'as vu, à un moment donné. C'est pas faux. Auquel cas, est-ce qu'on après, ils ont tous quelque chose dans les cheveux. Et si on est sur la couleur des cheveux, ils ont les mêmes cheveux. C'est les sœurs. Bon, il va bien falloir prendre une décision, de toute façon. Oh, attends, putain, je viens de voir un truc. Quoi? Il a quand même des ailes dans le dos et lui, il a des ailes sur son casque. Putain. Oui, alors c'est le but, c'est qu'en fait, on puisse se planter sur plein de choses. Non, mais si ça se trouve, c'est ça le truc qui a, vu qu'il y a un point commun. Ouais, puis il y a du bleu aussi. Puis ils ont les yeux bleus tous les deux. Puis... lui, il les a plutôt verts, j'ai l'impression. Oh, ça va, hein. Comme elle d'ailleurs. Mais c'est caca. Ouais. Ça passe. Oh la vache, t'as soulevé Hermès, c'est d'un vrai moment, là. Oui, mais ça se trouve, c'est pas lui le bon. Hein, oui, cas, non, mais je veux dire. Mais peut-être que oui, j'ai. Là, c'est soit tu poses du rose, soit tu poses du bleu, tu mets dans le bon sens. Tu vois, à un moment donné. Dans ce qu'il a, de toute façon, il s'est pas dit que. Non. T'es en train de me faire faire brouillard, là, on est d'accord. C'est pas les mains. Tadadé. Manique en jambes. Est-ce qu'on va voir les pépettes? Ah, un lien avec Méduse. Ah, c'est une gonzesse, elle a des douze, comme Aphrodite. Elles sont toutes les deux dans la même direction. Bon, il y a une qui a le regard plus méchant que l'autre, mais auquel cas, ça serait... Un regard vicieux, Aphrodite. Hein. Ouais, bah, Méduse aussi. Genre, je vais te mordre. C'est parti. Je vais te mordre, ma vie. Y avoir Méduse. Je vais l'avoir de plus près. Elle a un petit somme, quand même. Oh, attends, par contre, ce qu'il y a aussi, c'est le côté... rond bouclier, tu vois un peu les mêmes. Le bouclier, il y a ça sur les seins. Aussi. Mais il y a le côté rond autour, tu vois. Avec les petits. Petits. Mais ah, sinon, ça peut juste être une meuf ou quelqu'un, on regarde après. Le fait qu'il y a Eros et tout. Il y a Eros et la meuf. Du coup, pour dire, hé, hey, on enlève les mecs. Donc, on tue Hermès. Attends, j'essaye de le sonder de loin. Ouais, ouais, je dirais ça. Donc, après cette partie de loose à l'avant-dernière manche, nous avons changé de narrateur. Le narrateur sera donc notre ami Blanc-Jacques, qui vous montre la carte que nous allons devoir deviner devant vos yeux ébahis. Et ça passe. Oh yes! Et voilà, ça commence. Check de loin! Donc, tu vois, vous pouvez checker pour devoir. Non, en fait. Non. Ouais. Ils vivent ensemble, ils se trouvent pas l'espoir. Ah non, mais. C'est sympa. Non, après, je vais le checker dans sa gueule, ça va être compliqué. Adore. Donc, tu vois, en fait, je l'aurais pas sauvé, mais ça change rien. Oui, mais voilà. C'était Aphrodite depuis le début, grâce à Eros et Aphrodite. Il en a fait une. Victor. Faut que j'essaye de faire encore plus vite alors. Et après, moi. Genre, on perd la première. Tout de suite. Je vais vous donner. T'avais quoi en main? Je vais vous donner un faux indice. Je vais rester ça. Que... Ah, Icar! J'avais que des mecs. Hein. Raclès, j'avais que des mecs, ah. Et je voulais une bonne femme. J'avais pas de nana. Eh ben, dans ce cas-là, tu la tournes dans l'autre. On ne sait pas. Mais c'est ce que j'ai fait plein de fois. Mm. Ouais, c'est pour bien. J'avais pas de monstre. 4, 5, 6, 7. T'es sûr que toi? C'est bien ça. Je me souvenais plus si t'avais compté la première. J'ai eu un doute à l'espace d'un instant. Mais nous avons donc Achille. Le plus grand des guerriers grecs, invulnérable, avec un seul point faible. Son talent. Aphrodite. Encore elle. Polyphème, on le connaît déjà. C'est lui avec ses moutons. Pan Cucu, on le connaît aussi. Polyphème, c'est celui qui a les moutons. Jason, on le connaît toujours. Minotaure, on le connaît aussi.
Icare, oui, en se fixant des ailes avec de la cire, il parvint à voler, mais chuta après s'être trop approché du soleil. Son papa pas malin, le gars. Athéna. Dédale, il lui avait dit, mais... Tu vas. Hadès, on le connaît. Héraclès, fils de Zeus, héros infatigable qui a accompli les fameux 12 travaux d'Héraclès. Echidna, on la connaît aussi. Et Argos, on le connaît aussi. Est-ce que ton personnage fait partie des 12? Oui, alors. Mon premier indice. C'est la bite. Pardon. C'est Perforas. Alors que lui. Qu'est-ce qu'ils sont marrés? Je sais plus. Alors, ça ressemble à. Enfin, il y a un point commun avec Hermès, même. Mm-hmm. Ben, là-bas, il a un casque. Oui, il n'y a personne qui a des ailes. Elle aussi, elle a un casque. Okay. C'est bleu, au niveau du bleu. Il y en a deux. Il y en a deux. Il n'y a pas masse bleue, hein, quand même. Qu'est-ce qu'il ressemble pas du tout? C'est un, ah, non, c'est un homme. Il y a quelques monstres. Il y en a 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4. 5. 5, ouais. Mm-hmm. Alors, t'as... j'éliminerai pas ceux avec un casque pour l'instant, parce qu'on n'a que deux. Allez, tu fais un monstre en prévu. Parce qu'il n'y a pas de bleu, parce qu'il n'y a pas de casse, parce que c'est pas un bleu. Il y a une moustache et pas l'autre. Ouais, allez, vas-y, celui-là. Yes. Yes, papa. Oula, papa là. Il y a vraiment du bleu. Hein. El papa. El papa d'Héraclès d'ailleurs, dis ça. Il y a la barbe. Ouais. On n'est toujours pas sûr du monstre. On devrait en éliminer deux. J'éliminerai le Minotaure et Polyphème à la limite. Il n'y a pas de bleu, c'est pas des hommes, c'est des monstres. Moi je dirais deux nanas, il n'y a pas de nanas. Ouais, c'est pas grave. Aphrodite parce qu'elle est rose. Et ouais, Aphrodite est rose. Et puis Athéna parce qu'elle est verte. Elle a un casque. Elle a un casque, d'accord. Bah. Echidna. Echidna. Ouais. Echidna. Echidna. T'es de là. Et ça passe. Ça passe. Ah, bon, il y a de la moustache. Il hein. Y a de la beubare. Il y a de la beubare. Les deux en bleu, ils n'ont pas de barbe. Mais il y a du bleu, tu vois. Ouais. On peut en éliminer trois. Mais tiens, on peut enlever lui parce qu'il n'a pas de barbe, c'est un monstre. Achille. Il n'a pas de barbe, mais il a un casque. Si tu veux partir sur un monstre, il y a un loup déjà. Mais il a une barbe. C'est une barbe, ça? C'est pas ses cheveux? Ah si, c'est une barbe, on dirait trop ses cheveux. D'accord, ok. C'est bon, on reste tranquille. Le Minotaure. Il ne fait pas partie des couleurs, c'est un monstre, il n'a pas de barbe. Ouais, bon, ça fait un. Il en faut encore deux. Ouais, effectivement, pour l'instant, au niveau de la barbe, je dirais les deux là. Au niveau des casques, il y avait les deux là. Au niveau du bleu, il y avait les deux là. Je reste persuadé qu'il n'y a pas de nana. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a que des mecs. On devrait elle. Et Polyphème ? Ouais. Allez, on y va comme ça. C'est bon ? Ça passe. Bien sûr. Après, c'est le frangin, ça, Hadès ? Non, je dirais quand même de la beubare. Bon, il a aussi de la beubare. Oui, mais il peut pas mettre, donc, il peut pas mettre trois fois la carte pour la beubare. Ça insiste ! Tu vois, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas de barbe, là. Il y en a trois. Il faut qu'on en ait mis quatre. Lui, nous. Déjà, je dirais, il a pas de barbe mais il est pas trop dans les couleurs. Enfin, quoi que si, il y a un peu de vert. Il est peut-être pas parti sur les couleurs, hein. Quoi qu'il y en a quand même deux, Jack. Justement, peut-être qu'il enfonce le clou pour dire tiens, c'est bien vert en fait. Moi, je pense. Ou c'est vert bleu. Je pense à Héraclès, moi perso. Mais après... Vert bleu. Il y a du vert bleu. Peut-être qu'il y a le disque derrière hein, qui dit que c'est un disque aussi. Le disque, le padré avec la barbe pour tous, là. Bon, tu veux faire tout ça, là. Bah, attends, moi j'aurais enlevé ce compas de barbe. C'est ça. Et un en plus. Regardez deux là. Celui-là n'a pas les couleurs, par contre, du tout. Alors que lui, il les a. Oui, mais là, regarde. Il a la barbe. Ouais. Il a le disque derrière. Ouais. D'accord. Oui, bon, on va pas être diversé. T'as encore une grosse bestiole au fond, une grosse bestiole qui serait au fond. C'est pas une bestiole, c'est un centaure. Oui, non, mais c'est un dessin. C'est un centaure. C'est un dessin, il y a un dessin derrière. Moi, je dirais ça. Donc, on élimine les quatre là. Moi, je dirais ça. C'est bon, on va vers deux. Jusque là, ça passe. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est ça va bien. Bon, déjà, il y a un truc cool, c'est que ça va pas être moi le plus mauvais narrateur, parce que au moins, on a passé l'étape 4. Je te m'aime. Ok. Moi, je découvrais le jeu. C'est... J'avais des cartes poules. C'est mon triomphe personnel. Tu vois, j'ai dit que j'aimais pas comment ce jeu. Ben voilà. J'ai commencé, j'ai perdu. Donc là, j'avoue. Ben, je vais foirer exprès. Mais à cause de lui, on a pas découvert. Comment ? À cause de lui, on n'a pas décollé. On a décollé grave. À cause de toi, on n'a pas décollé d'avant. Oui. Rien que parce que t'as été capitaine. C'est ça. Oh, oui, mais il a quand même été plus loin que toi, là. Ta grand-mère. Hein ? Prends une quiche du jeu pour faire deviner des trucs.
Chacun son genre de jeu. C'est Percé qui lui a décapité la tête. Eh, mais il y a des petits serpents, le logo derrière, il y a un petit serpent. Ouais, bon. Elle est verte, c'est vert. Ouais, c'est vert. Je vois pas le rapport avec Hadès, en fait. À part le fait que ce soit rouge avec un cercle derrière. Moi, je dirais que c'est des petits serpents, c'est juste... On dirait Héraclès. Ouais. On vire Hadès. Allez, on vire Hadès. Je vais narrater. Ah, voici le personnage à trouver. Arrive à voir à travers, toi. Ouais. Oui, c'est Aphrodite. Exactement. J'ai failli la mélanger avec les autres. Bah oui. Aïe aïe aïe. Tu veux la mélanger avec les autres parce que c'est Aphrodite. C'était ça. J'avais plusieurs possibilités pour la dernière. Donc là, il y avait le côté serpent, ce que vous avez bien pigé. Là, c'était vraiment le bouclier. Là, c'était c'est son père, du père-fils. Là, c'était les bobards. Et les bobards, il fallait me laisser des barbus. Donc la méduse, c'était le serpent, mais en la mettant, je me suis aperçu qu'il y avait quand même le rond rouge, mais tout comme l'autre. L'autre possibilité que j'avais, c'était de mettre les moires comme ça pour dire la mort, niette, donc on vire Hadès. Et sinon, j'avais le ça pour le bouclier, mon idée de base, mais comme vous étiez aussi sur le bouclier de l'autre, celle-là, à mon avis, ça aurait fait. Oh, Artemis! Artemis Touquette. Heureusement que tu t'entends pas. C'est la frangina, pour lui. Donc voilà, oui, une nouvelle victoire. C'est cool. Je crois qu'ils ont des iPhones maintenant. On n'était pas là. Allô, Hadès, ça va bien? Demande à Hermès, c'est le dieu messager. C'est quand même... Ça peut rien pour... Donc... Non, ça, c'est pas vrai. Pôle emploi fonctionne encore avec des lettres, ce bâtard. Le mec qui travaille à Pôle emploi. Qu'est-ce que vous avez pensé de Similomid? Qui marche aussi. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Après, j'aime beaucoup le thème. Déjà, de base, je suis très mythologique, gréco-romaine. Eh, on a entendu, mais... Bah quoi? Bah quoi quoi? Bah quoi quoi quoi? Je crois quoi que... Ah, j'aime bien ça. Je confie. Du coup, le thème déjà, il m'attire. C'est quoi? Et puis, c'est ça qu'on appelle cette boîte. C'est exactement ça. Donc, il choisit. Oui, mais qu'elle a choisi parce que c'est ça qu'elle avait la mythe. Aïe. Voilà. J'ai tout un tas de bouquins à la base. Moi. Aussi, j'aime bien, mais moins. Les mythes ou le jeu? Ah, les mythes. Les mythes. D'accord. Non, non, le jeu, non, les jeux, j'aime bien. C'est... Non, c'était cool. Les dessins sont bien. Super. Ça, t'aurais pu bon. C'était sur l'histoire. Les persos historiques ou les contes? Plus les contes, ouais, j'aurais été plus sur plus les contes. Oui, c'est ça. Contes, c'est mais ça, j'aime bien la mythologie, mais moins que Charlie, mais. Ah non, historique, non pas trop. Pas très moi, l'histoire, on n'est pas trop. Alors après, il y a le petit. Tout pareil, indicatif de ouais, qui a fait quoi, et donc tu peux quand même plus jouer oui, sur les. Oui, c'est sûr. L'orientation des personnages, leur sexe, des choses comme mais ça. J'aime bien le principe, c'est un petit jeu simple, ça dure pas bien longtemps, c'est quoi. 10-15 minutes max. Ça. Les cartes, elles sont... Par contre, les cartes, l'illustrateur, franchement... C'est Nayad, si je dis pas de... C'est super bon, j'aime beaucoup. Nayad, ouais. C'est cette personne-là bon, qui a fait les illustrations aussi des autres. Oui, les trois sont illustrées par Nayad. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment cool. Il y a une cohérence graphique entre les trois, ne serait-ce que justement quand tu... Des mélanges. Mix de jeux à la fois et que tu en as un pour les persos à trouver et que tu pioches les indices dans un autre, faut qu'il y ait quand même une cohérence, un truc qui soit cohérent. Oui, c'est un voilà, les persos. Elles sont super belles, franchement, les cartes elles sont top. C'est cool, le thème est cool, les élus sont cool, le jeu en lui-même c'est rapide, c'est facile. C'est sympathique. C'est sympa. C'est sympathique, c'est pas bien compliqué à expliquer. Moi j'aime bien. Tu peux enchaîner 2-3 parties puis en début de. En début de soirée, ça passe bien. Ou enfin, ouais. Avec des gens non joueurs aussi. Ouais, ça va bien. Ouais. C'est nickel. Et de surcroît, bon là, c'est plus le cas vu qu'il n'y a plus forcément le confinement, mais ça se prête très bien à la visio. Oui. Donc, ah, oui. Il suffit qu'il y en ait un qui a le jeu et il monte les illustrations et puis chaque participant à la conversation élimine. Similo, c'est une petite game sympa. Donc les trois, selon ce que vous préférez, si vous êtes plus personnage historique, mythe ou conte. Tu peux voir les autres boîtes, s'il te plaît. Ah, ça c'est votre curiosité, parce que vous n'avez pas vu mes vidéos, parce que j'essaie de faire ça. Non. Voilà, voilà les personnages, le dos change, et puis après, sinon c'est le même principe, on trouve des personnages historiques, plus ou moins connus, ils sont pas... Okay. De base, on les connaît c'est, pas c'est Léonard Da Vinci. Et Cléopâtre. On a du Confucius, Gengis Khan, Abraham Lincoln, Virginia Woolf. Ah, Sitting Bull. Sitting Bull, Pocahontas, Princesse Sissi. Donc il y en a plein de différents. La dame, la reine de cœur. Ouais, attendez. Les 30 tes cochons. Le chapeauté. Oh. Ouais, on découvre en même temps.
Je vois ça, déco, ouais. Vous les connaissez pas. C'est qui boîte ici? Ah non, franchement, je confirme. Je confirme. Ah, j'aimerais comme dans le film. Voilà. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup les illustrations, franchement. Ouais, Nayad a fait de l'excellent boulot à ce niveau-là. Où il fait? Il fait ou elle fait? Il a fait. Nayad a fait de l'excellent boulot. C'est un il. Excusez-moi, je ne connais pas. Donc voilà, une petite gamme sympathique à vous de voir si c'est le, votre genre de jeu. En tout cas, ça passe très bien. Voilà. Ah, mais t'as même. Bien joué, Jérémy. C'est une ouais. Très arrivée. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que tu sais s'il va y en avoir des autres sortes? Je ne sais pas, ça dépendra peut-être du succès de cela. De... Ah ouais, un Similo horreur. Avec des monstres. Les vampires, ça, ça les zombies. Ça sera à cheval entre Mick et Conte. Ouais, fantastique. Fantastique. Ouais. Mais sinon, tu peux en faire un film d'horreur en fait. Tu mets Jason. Ah ouais. Non, mais ça, c'est. Chucky, des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais, c'est quoi ça, sympa. Après, c'est chaud, il y a... ça manquerait peut-être un peu de diversité. Donc voilà, les trois jeux de la gamme Similo. À vous de voir si le concept vous a plu et quelle boîte éventuellement vous plaît ou non. Vous avez l'ensemble des cartes dans mon autre vidéo où je présente le matériel et les règles. Donc comme ça, vous avez toutes les clés en main pour savoir si Similo est fait pour vous ou non. En tout cas, nous, c'est cool. Nous, on a bien aimé, on a passé du bon. Voilà, il y a eu, on a aussi vu qu'il y avait deux bons narrateurs et une narratrice un peu naze. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre selon l'heure à laquelle vous aurez eu cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut! Et donc, c'est un peu comme dans les jeux, un peu... Ah, comment je vais faire? Hey, coucou Claire! Je vais vous montrer c'était fait. Laquelle au début. Bah, on voit que je ah oui, tu vas dire fais-le. Non, mais je le ferai à la fin peut-être, tu vois. On fera tu feras un coupé. Coupé décalé. Personnage Aphrodite. Oh, oui. Oui. C'est exactement. Voilà, ça. C'est fini. C'est allez. Fini. On a gagné. Non, c'est que je gagne. En tant que narrateur, terreur. Et c'est elle qui a illustré, ou c'est lui hein. Nayad, c'est un homme. Enfin. Monsieur. Monsieur, excusez-moi. Tu comprends quoi? Monsieur Nayad, beaucoup d'illustrations. D'accord. Prenez-le pour la deuxième balle. On rigole, toi tu comprends. Hein. Vous couperez hein? J'ai cru que c'était écrit Captain Brochet. Oui, Captain Brochet, le pêcheur. Le petit fils de Captain ouais. Iglo. Hein? C'est bon. Lui qui a repris la franchise. Captain Brochet. Oh, mais délicieux, bâtonnet d'eau. Ah, oh, mais délicieux, je vais pas t'aller le bon de broche. Je suis nul, voilà. Il y a beaucoup à faire. Oui. Ah, on a beaucoup à faire, la vérité. Il n'y a plus qu'à aller pêcher les brochets, les fenêtres. C'est ça, Captain Brochet. Merde. Ok. Ma soupe au poulpe. Donc, on va la finir cette vidéo. Oh, ouais. Non, tu fais pas des doigts. Oh, non. C'est pas grave. Là. Accepte. J'ai été méchant. Accepte que t'es complètement naze. Ouais, ça va, elle est arrivée à la quatrième manche. Ah oui. Et d'un point de vue technique, elle pourrait dire que c'est nous qui sommes nazes de ne pas avoir compris. Exactement. Non. Je vous mets un roux. Il y a une rousse dans le tas. Ouais, non, alors, une c'est seule. Pas du tout parti sur les cheveux. C'est toi de faute. Non, non, elle aurait pu prendre. Oh, regarde, il a un cheveu qui fait ting. Mais quand même, ça se voit, j'ai pas pris un brin, j'ai pris un roux. Ah, plus roux, tu meurs, il y en avait qu'une. Ouais, bah oui, mais... C'était pas. Absolument logique. Ouais. La prochaine fois, tu prends la petite araignée dans l'angle au-dessus, là, qu'on voit bien. Il a bien pris le serpent au fond dans le bouclier. Bon, voyez bien le serpent. Et c'est à la fin. C'était sur la fin pour préciser, parce que vous aviez bien vu les boucliers, et que du coup, il fallait que j'arrive à rentrer. Tu dors dans la piscine, je te fous. Non, tu vas dormir. De toute façon, tu dors déjà, dormir, ouais. Dors déjà dans la cabane. Tu vois pas mon kiki. Salut! Pardon, ça faisait une belle harmonie. Comme il se la pète, la meuf. Mais je te. Je peux? Tout ça parce qu'elle a des gros poumons et tout. Il t'emmerde, mec. Moi, je faisais
4 heures de natation par semaine pour avoir des poumons comme ça. On s'en fout de ta vie. Mais je raconte qu'à toi. On s'en fout. Ah, tu veux le même. Chier, 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 chier. Chier.